Chers bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis là où vous nous suivez en ce moment. Que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Timothée Mutombo de l'église du Christ vivant ici à Orléans. Comme vous le savez, on est là pour annoncer la parole, la bonne nouvelle de Jésus. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit que le Seigneur Jésus est venu afin d'apporter la bonne nouvelle. Chaque fois que vous allez nous suivre, vous allez toujours avoir cette bonne nouvelle. C'est quoi? Que Jésus-Christ, il est vivant. Il est vivant pourquoi? Parce que chaque vendredi, nous sommes dans notre prière de face à face avec le Seigneur. Et aujourd'hui, nous vous présentons notre bien-aimé. Il va se présenter lui-même. Et Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Et comme on dit, le temps des miracles n'est pas encore passé. Bien-aimé, toi qui nous suis pendant ces moments, ça peut être que tu as des problèmes, mais nous pouvons seulement vous dire, Jésus que c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je passe la parole, bien-aimé, comment vous appelez? Je m'appelle Chris. C'est le frère Chris. Oh, donc, frère Chris, qu'est-ce que Dieu il a fait? Qu'est-ce que vous êtes venu témoigner aujourd'hui devant le peuple de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais malade, j'avais problème au poumon. On m'avait dit que c'était un suspecté un cancer. Je suis parti à l'hôpital, j'étais diagnostiqué. Et la sœur Sandra m'a invité à l'église le vendredi. Je suis venu, vous avez prié pour moi et mes résultats sont sortis. Et grâce à Dieu, mes cellules cancéreuses ne sont plus là. Oh, je crois bien, on vient de suivre. Donc là, quand vous étiez venu le vendredi, vous habitez où? J'habite à Paris. Le frère habite à Paris. Il s'est déplacé de Paris pour venir recevoir son miracle. Donc tu avais le problème de cancer. C'est au poumon. Non. Et ça te faisait comment? Ça me faisait mal. Le soir, je n'arrivais pas à dormir. J'étais obligé de prendre des médicaments pour dormir. Mm-hmm. Si je ne prenais pas des médicaments, je ne pouvais pas dormir. Et quand vous avez prié pour moi, après, j'arrivais à dormir tranquillement sans prendre des médicaments. Gloire à Dieu. Il arrivait à dormir. Jésus a fait le miracle. Il arrivait à dormir sans problème et par la grâce de Dieu. Mais après, vous vous êtes dit qu'il faut que j'aille faire les examens. Et après, je me suis dit qu'il faut que j'aille faire des examens. Quand j'ai décidé de faire mes examens, ils m'ont dit que ça ne servait à rien, que je devais juste attendre de prendre mon traitement. Moi, j'ai dit que je devais faire des examens. Ça a fait un peu de complications, ça a pris du temps. Pour confirmer la guérison de cancer. La guérison, oui. Ça a pris un peu du temps. Même mon médecin, il m'a traité un peu de fou. Ça a pris un peu du temps. Après, ils ont accepté. J'ai refait mes examens. Mon scanner, il est sorti. J'avais rien du tout. Gloire à Jésus. Donc là, nous avons les résultats. Ça est là. Comme on fait voir, ça c'est le résultat des examens de cancer, que Jésus-Christ est capable de guérir toutes sortes de maladies. Donc le bien-aimé, il souffrait de cancer, de poumons. Il est venu dans notre veillée de face à face avec le Seigneur. Lorsqu'on a prié le Seigneur, ce vendredi-là, Dieu a fait des miracles. Mais il voulait confirmer cela avec les médecins. Et les médecins, ils ont fait des examens. Là, les résultats est que il n'a plus le cancer, le Seigneur l'a guéri, tu n'as plus de douleur. Non, je n'ai plus de douleur. Là, tu dors tranquillement. Oui, je dors tranquillement. Gloire soit rendue à l'Éternel. Donc, c'est Jésus qui peut faire de telles choses. Il n'y a que Jésus qui peut faire de telles choses. Qu'est-ce que vous pouvez dire à beaucoup de gens qui vont te suivre, qui avaient aussi des problèmes comme toi, qui ont des problèmes, par exemple, ils se demandent comment ils peuvent trouver la solution. Toi, tu habites Paris, tu es venu jusqu'à Orléans, qu'est-ce que tu pourras leur dire? Je leur demande juste d'avoir la foi en Dieu. Amen. De prier et de venir à l'église régulièrement les vendredis. Même si c'est loin, parce que par exemple moi ça me prend 1h30 voire 2h. Quand je viens ici, quand je quitte à 6h, j'arrive chez moi, il est 10h. C'est vrai qu'on est fatigué, mais il faut savoir surmonter la fatigue parce que pour Dieu, il faut faire des sacrifices. Amen. Pour Dieu, il faut faire des sacrifices comme notre Christ il vient de le dire. Ça se voit qu'avec le Seigneur, tout est possible. Nous vous invitons seulement bien-aimés. Toi aussi, tu viens de suivre ces témoignages de notre bien-aimé. Dieu l'a guéri des cancers. Bien-aimé, cancer des poumons. Qui pouvait faire de telles choses si ce n'est que Jésus qui est de Nazareth? Nous vous invitons à venir chaque vendredi. Venez nombreux, écoutez la parole de Dieu. Bien-aimé, Jésus qui se sauve. Même le miracle que vous cherchez, bien-aimé, ça fait longtemps, vous êtes chez toi à la maison. Approche, viens vivre la main de Dieu. Viens glorifier le nom du Seigneur comme notre bien-aimé Christ. Aujourd'hui, Dieu l'a libéré des cancers de poumons. C'est que Dieu peut te libérer toi aussi. Vraiment, soyez bénis. Soyez toujours connectés sur EDCV TV. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et je vous annonce ici, Jésus qui se revient bientôt. Marchons dans la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que vous voulez dire à la fin, bien-aimé?
Je remercie juste le Seigneur. Amen. Et j'espère que les gens viendront beaucoup le vendredi. Mmh. Et qu'ils aient juste la foi en Dieu, parce que Dieu, c'est le sommet de tout sur terre. Amen. Dieu, c'est le sommet de tout sur la terre. En tout cas, que Dieu soit loué. Nous vous disons à bientôt. Soyez bénis. Amen.